Salut l'internaute, c'est Jemil et voici le 17e épisode des 5 choses à se dire. L'actualité est plus que riche en ce moment, hein, entre le coronavirus et Marine Le Pen. Deux sortes de virus, hein, sauf que c'est le second qui nous demande des millions pour combler ses dettes. Mais aussi les Fillon, enfin devant la justice pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Et plus généralement, toute l'excitation habituelle à l'approche d'une échéance électorale, ici les municipales, le tout sur fond de contestation toujours aussi vive de la réforme des retraites, surtout... Restez concentrés. Première chose à se dire, Anne Hidalgo adore le vélo dans sa ville au point d'offrir 15 millions d'euros d'argent public à la société privée Smove & Go qui a repris la gestion des Vélib' parisiens il y a 2 ans. Oh, mais quelle horreur! Le Vélib' et Anne Hidalgo. C'est dans le Canard du 19 février dernier que l'on apprend la nouvelle et surtout les détails de l'affaire qui prend toute sa place dans la course au municipal, hein, forcément. On peut alors lire que le contrat qui lie Smove & Go au syndicat mixte Autolib et Vélib Métropole, dirigé par la mairie de Paris, donc par Anne Hidalgo, prévoit des pénalités très précises en cas de manquement au contrat. Et il y en a un bon paquet. Par exemple, seulement 11 666 vélos en moyenne étaient disponibles chaque jour à Paris, bien loin des 19 000 promis dans le contrat. Pour ce manquement, la pénalité contractuellement prévue est de 6,6 millions d'euros. Côté station, entre 79 et 292 n'étaient pas en service. Pénalité prévue par le contrat, 7,4 millions. Total 14 millions. Et c'est un minimum, car ce même contrat prévoyait la fourniture de 5000 Vélib' de plus, mais aussi la possibilité de garer son Vélib' alors que la station en question serait pleine, ce qui arrive très souvent. Mais tout ça n'a jamais été mis en place. Selon le contrat, la douloureuse devrait être de 19,5 millions d'euros minimum. Mais la maire de Paris qui souhaite le rester, qui s'était pourtant montrée sans pitié en 2018 en infligeant 22 millions d'euros de pénalités à Smove & Go, passe cette fois l'éponge sur la plupart des manquements et ne réclame que 6 millions. Offrant alors là quasi 15 millions d'euros à la société privée Smove & Go qui ne publie pas ses comptes, hein, ce qui est illégal, c'est obligatoire de le faire, hein, et qui est lié à Noroto qui appartient à la famille richissime Mulier. Auchan et compagnie. Cette affaire, c'est quand même beaucoup d'argent public de perdu au profit d'une société privée qui ne respecte même pas son contrat. Je suis personnellement abonné au service Vélib' et c'est un enfer pour trouver un vélo en état de marche. Cette magouille démontre bien que les méthodes de l'ancien monde sont toujours aussi bien appliquées dans le nouveau, hein. Et pire encore, quand ce sont des mairies tenues par des élus PCF, hein, qui aiment à se dire de gauche tout en trahissant les valeurs de leur famille politique. Bah oui, puisque dans une mairie réellement de gauche, bien un service public aussi crucial que ce service de vélo partagé qui touche à l'écologie et au bien-vivre en ville, eh bien serait géré de bout en bout par le public et ne connaîtrait donc pas les déboires d'une société privée qui n'a d'objectif autre que de gaver ses actionnaires. Chers internautes parisiennes et parisiens, il va falloir bien réfléchir avant d'aller voter en mars prochain. La deuxième chose à se dire est un énorme scandale qui enfle ces derniers jours depuis que l'association antispéciste L214 ait reçu par erreur des échanges mail directement venus du ministère de l'Intérieur qui sont censés être confidentiels. Et c'est explosif! Tout commence le 13 février dernier lorsque l'association annonçait la sortie prévue le 20 février de nouvelles images tournées en abattoir témoignant d'infractions routinières à la réglementation, donc à la loi. Alertés par un journaliste, les services de l'État n'ont pas attendu la sortie de la dite vidéo pour organiser leur contre-attaque. Et c'est là que l'improbable s'est produit puisqu'une association proche de L214 s'est retrouvée par erreur dans la boucle de courriels échangés entre les ministères de l'Agriculture et les différents acteurs officiels comme la Direction Générale de l'Alimentation. Le 25 février, donc hier, à l'heure où j'écris cet épisode, L214 révélait ses échanges mail où l'on peut clairement suivre la construction du discours officiel, mail après mail. Ainsi, on se rend compte parfaitement du montage de bout en bout en connaissance de cause du choix politique délibéré de mentir à la population et de couvrir l'abattoir Sobeval. Ici, on peut lire un fonctionnaire du ministère écrire « J'ai fait la liste des non-conformités indéniables, voire majeures révélées ».
ce qui confirme que les autorités publiques ont bien compris dès le départ que les infractions dénoncées et illustrées par les vidéos d'L114 sont avérées. Ensuite, on peut encore lire un autre participant à la discussion écrire « Il nous faut des EDL béton pour ce soir ». EDL, pour éléments de langage. Une autre façon de parler de novlangue. Dans un autre courriel, on voit apparaître la FEDEV et Interbev. Un puissant lobby de la viande qui semble avoir été directement consulté par les autorités publiques pour construire la réponse de l'État dans ce dossier. Et c'est une preuve éclatante venue de l'intérieur même de l'État, encore une fois, qui vient illustrer la parfaite confusion, le mélange des genres entre les intérêts publics et privés que nous savons parfaitement incompatibles. La communication officielle de la Startup Nation France est alors parfaitement rodée. Après cet échange mail sur Europe 1 dimanche 23, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume affirme que les faits et les images ne sont pas avérés pour l'abattoir de Dordogne. Quelques jours plus tôt, avant même la sortie de la vidéo, la préfecture publiait un communiqué de presse qui parle de bien-être animal, de contrôle permanent et affirme que la vidéo ne montre pas de mise en évidence de non-conformité à la réglementation. Affirmation officielle parfaitement contredite par les mails confidentiels que nous avons donc pu lire à l'instant. Au moment où j'écris cet épisode, L214 réclame toujours la démission du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, et ce dernier reste silencieux, lui avec tout son ministère, misant sans doute sur l'espoir que l'actualité passe vite à autre chose. Sauf que durant les deux jours nécessaires de montage pour réaliser cette vidéo, soit les 27 et 28 février, la situation a continué à enfler en parallèle, notamment avec cette séquence où un journaliste de France 5 interrogeait hier, donc le 27 février, le ministre présent au Salon de l'Agriculture. Je voulais revenir avec vous sur l'abattoir de Sopval en Dordogne. Ah non, vous avez déclaré le 23 février. J'ai fait déjà une... Il y a des mails internes qui prouvent le contraire de ce que vous avez dit. Il y a des mails internes qui prouvent le contraire de ce que vous avez dit. Je vais communiquer. Vous pouvez nous répondre aussi ici, sur votre double langage. Je n'ai pas de double langage. Oui, bonjour. Venez, non mais écoutez-moi, je n'ai pas de double langage. Tenez. Mais vous me mettez devant la bouche, je n'ai pas de double langage. Pas de double langage, j'ai simplement arraché le micro. Je vais pas arracher le micro, je vous dis. Alors que je termine là en ce moment même le montage, nous sommes le 28 février à 14h, j'apprends en direct que le ministre annonce sur RTL la suspension de l'abattoir incriminé par L214. Mais toujours aucune réaction sur la demande de démission suite aux mensonges prouvés par les mails qui ont fuité. Je compte donc sur toi vivement pour que tu repartages cette vidéo et participe ainsi à ce que c'est brut l'affaire et qu'elle prenne toute la place médiatique et politique qu'elle mérite. Pour la troisième chose à se dire, franchissons l'Atlantique pour les USA où les primaires se poursuivent à grands pas. L'objectif est, d'ici à juin prochain, de désigner le ou la candidate démocrate, comprendre de gauche, et le ou la candidate républicaine de droite, même si c'est plus complexe que ça. Aux États-Unis, les primaires ont un rôle particulièrement important, puisqu'ils sont censés permettre aux électeurs, à la population, de choisir eux-mêmes leur candidat, et donc d'empêcher aux partis, aux appareils politiques, de le faire en petit comité. Eh bien, heureusement qu'il reste encore les médias pour rattraper cette bêtise et influencer les foules crédules, et ainsi, faire le bon choix. Mais les primaires sont un long combat qui dure tout un semestre où des élections sont organisées dans les 50 États que compte le pays afin que chaque candidat puisse cumuler le nombre suffisant de délégués et ainsi être nominé. C'est Bernie Sanders qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et qui nourrit un espoir. Il est actuellement bien en tête chez les démocrates. Malgré la progression de Pete Buttigieg, présenté dans tous les médias mainstream, jusque brut en France, merci, comme le renouveau et la fraîcheur en politique. Ouais, ça nous rappelle fortement quelqu'un à nous Français. Mais là, c'est l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui m'amuse. L'homme milliardaire, qui souhaite être le candidat démocrate, est un des humains les plus riches de la planète et ne mise que là-dessus pour espérer doper sa notoriété. Fin 2019, il achète tout l'espace publicitaire de Google US et 840 expressions en rapport avec le climat pour qu'à chaque recherche internet sur le sujet, les utilisateurs soient redirigés vers son site internet. Et il commence 2020 sur les chapeaux de roue. Il y a quelques jours, Trump était en séjour à Las Vegas. Bloomberg a alors eu l'idée d'acheter d'immenses espaces publicitaires pour se moquer de lui. On pouvait lire par exemple « Donald Trump triche au golf » ou encore « Le mur de Trump est tombé », rebondissant alors sur une actu récente où un fort vent avait fait tomber des parties du mur anti-mexicain de Trump. Mais il est allé encore plus loin, ce génie!
En ce moment même, il forme une équipe de 500 personnes payées chacune 2 300 € par mois pour fabriquer de toutes pièces une image de lui sur internet cool et tendance. Le mec n'a peur de rien, hein, le ridicule ne tue pas, mais miser toutes ses chances sur de l'anti-Trump basique et sur la com sur internet, du marketing tout simplement, est-ce que ça va lui être suffisant pour accéder à la course à la Maison Blanche? En tout cas, ça en dit long sur la considération qu'il porte à l'intelligence des électeurs. Allez, go Bernie! Retour en France pour ce quatrième et avant-dernier point, avant la good news. Tu sais, le cinquième point, c'est toujours une bonne nouvelle. Et cette fois, en plus, tu vas vraiment kiffer, encore plus que d'habitude, alors reste bien jusqu'au bout. Hein. Bon, si je te dis Gennot, tu me réponds... Eh bien, on te répond imbécile, hein. Mais on ne peut pas, c'est une vidéo. Enfin, mais il est bête, hein. Il est bête. Gennot, c'est la nouvelle application de prise de notes pour les gendarmes français. Un petit bijou de technologie qui rendrait jaloux l'inspecteur Gadget. Fais-moi que voilà, inspecteur Gadget, ça va être la joie. Son principal atout est tout simplement décrit dans l'article 1 du tout nouveau décret ministériel du 20 février dernier. Le Premier ministre donc décrète faciliter le recueil et la conservation en vue de leur exploitation dans d'autres traitements de données, notamment par le biais d'un système de pré-renseignement des informations collectées par les militaires de la Gendarmerie nationale à l'occasion d'actions de prévention, d'investigation ou d'intervention nécessaires à l'exercice des missions de police judiciaire et administrative. J'espère que c'est clair pour toi, hein. En d'autres termes, c'est faciliter le traitement, la collecte et le traitement des données personnelles des gens qui sont arrêtés ici et là, comme par exemple, je ne sais pas moi, dans un bus, quand t'es noir ou dans une manifestation. Hein. Je dis ça, je dis rien, moi, c'est juste des suppositions. Mais de quel type de données s'agit-il au juste? Eh bien, on a la réponse dans l'article 2. Les données personnelles collectées sont relatives à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophique ou religieuse, à l'appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. Restons calmes, hein, j'espère que tu étais bien assis à ce moment où je t'ai lu ces quelques lignes parce que tu as bien tout entendu. Hein. Tout est choquant là-dedans. Un simple gendarme peut désormais deviner, prétendre savoir notre origine raciale, le noter et l'envoyer dans une application qui sera traitée ensuite par l'État, des services de renseignement, des statistiques, des machins. Dans un flou le plus total, tout est choquant déjà dans ce premier truc-là. Origine raciale. Le mot « race » utilisé, tout comme le fait qu'on puisse déceler juste en nous regardant, ben voilà, lui, il est ci, lui, il est ça, mais aussi nos opinions politiques et notre appartenance syndicale. Hein ? Rendez-vous compte de ce que je vous dis là. Ce n'est pas du tout une blague. C'est un putain de décret ministériel qui a été écrit le 20 février, consolidé le 26 février, là, il y a quelques jours avant-hier, et qui est depuis en vigueur dans la loi française. Ah, regardez-les là, ces gauchistes en panique, hein, hein. Toujours à exagérer, à forcer le trait. Oh, mais s'il n'y a rien à se reprocher, il est où le risque? Il n'y a pas de risque. Dans la suite lunaire de cet article 2, on tente de nous rassurer, hein, sans doute, en précisant que ces données personnelles ne peuvent être collectées qu'en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées. C'est quoi précisément une nécessité absolue? À aucun moment dans le texte cela est défini. Autrement dit, plus flou, tu meurs. Dans l'article 5, on apprend que ce décret écrase le droit à l'opposition prévu dans la loi du 6 janvier 1978. En une phrase dans un court décret ministériel, on supprime purement et simplement le droit de s'opposer au traitement de nos données personnelles ainsi collectées sur la base de l'appréciation libre d'un gendarme. C'est tout bonnement énorme. Et si tu tiens vraiment à accéder à tes droits sur tes données personnelles, il est indiqué qu'il faudra désormais s'adresser directement à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale et que ta moindre action en ce sens sera elle aussi enregistrée et conservée par les autorités pendant 6 ans. Et ce court mais puissant décret ministériel, bien signé par Philippe et Castaner, vient donc d'entrer en application sur l'ensemble du territoire de la République française. Mais la société du tout flicage de la population, ce n'est pas censé être une particularité du communisme ou des Chinois, hein? Et Macron, vous n'avez pas garanti les énergies libérées, le printemps et le nouveau monde libre?
On aurait peut-être dû demander la précision et la définition de tous ces mots barbares quand ils ont été prononcés. Parce que le diable, quand il désire quelque chose, il sait paraître séduisant. Et c'est enfin l'heure de la bonne nouvelle, hein, tu vas adorer. Mais avant ça, on n'y échappe jamais, c'est le moment des trois dernières news bien dégueulasses. En express. Interdire et ou taxer les sacs plastiques à usage unique dans les magasins était la promesse d'un monde plus vert et plus durable. Que nini, remplacé par des sacs réutilisables à vie, dont la fabrication demande bien plus de plastique, et qui sont jetés autant que les vieux sachets, c'est ce que révèle une étude britannique récente. C'est ce qu'on appelle du durable jetable. Oh, que l'idée qu'elle est bonne. Poursuivons en Suisse, pays qui jouit d'une image écolo très forte et dont les habitants consomment l'équivalent des ressources de trois planètes Terre en une année. Nique la logique. C'est à Genève, à deux pas de chez moi, qu'a été inaugurée le 15 février dernier une piscine olympique en plein air chauffée. Oui, toute l'année durant, consommant l'équivalent énergétique annuel de 350 habitations à elle toute seule, juste pour la période d'hiver. Devant un ordinateur, 9 heures par jour, donc là c'est juste le paradis pour moi. Moi je me sens mieux à l'air libre qu'enfermé. Par contre, oui, je pense qu'écologiquement, il y a un petit souci. Le must dans cette affaire, c'est que les élus écolos locaux ont voté pour ce projet à l'époque. Bravo les Helvètes. Et on termine en Alsace, à quelques pas de l'Allemagne voisine, où 8 ans après la promesse, ça y est, la centrale nucléaire de Fessenheim fermera en juin. On apprend dans Le Canard que l'essentiel de sa production d'énergie était exporté en Allemagne, qui a fermé toutes ses centrales nucléaires après Fukushima. Mais heureuse coïncidence, puisque la même Allemagne va inaugurer au même mois de juin une énorme centrale à charbon qui compensera l'arrêt de Fessenheim. Mais pas de panique, la pollution elle aussi s'arrêtera à la frontière. Après ce torrent de boue, voici enfin le moment de la bonne nouvelle. Et cette semaine, ce n'est pas une actualité positive ou une simple recommandation, non, c'est une offre. Alors écoute bien jusqu'au bout. Elle s'appelle ILEC. Et c'est en partenariat avec eux que je te présente cette good news. Hop hop hop, minute papillon, hein ? Ne serait-ce pas là un placement de produit ? Oui, mais comment est-ce possible que je puisse vous entendre ? Oh, bah sans doute la faute à une mise en scène bâclée. Oui, alors revenons à nos moutons électriques, si vous voulez bien, ma chère Mireille Agathe. Je vais vous répondre en étant tout à fait transparent. Oh, il parle déjà comme un politicien, hein. C'est mal barré cette affaire, hein. Bon, qui vous le dit? Toujours aussi charmante. Bref, Butagaz, Leclerc, Eni, Total Engie, tout un toit. Depuis l'ouverture à la concurrence et à la privatisation du secteur de l'énergie, l'offre pullule et tout le monde se targue d'être écolo. Sauf que c'est du pipeau. Greenpeace actualise chaque année un comparateur objectif des principaux fournisseurs d'énergie en France et les classe en 4 catégories. Vraiment mauvais, à la traîne, en bonne voie et vraiment vert. Et c'est dans cette catégorie qu'ILEC trône fièrement depuis 2 ans déjà. Bravo, hein ? On voit que vous avez parfaitement intégré votre propagande commerciale, hein ? Alors non, madame, hein, je suis plutôt du genre insoumis, tête de mule, voyez-vous, hein ? Ils n'ont même pas cherché à m'imposer quoi que ce soit. Hein. Ils n'ont même pas lu le script, rien du tout. D'ailleurs, ils découvrent la vidéo avec vous, là. Oui, bien sûr. Et en même temps, ce n'est pas vous que je vais éclairer en matière de conflit d'intérêts. Si ? Oh ! Bon, poursuivez ! Bien, donc, comme j'allais te l'expliquer avant d'être interrompu, j'ai été client EDF, puis Engie, puis Eni ces dernières années, cherchant bon ben une facture hein, plus raisonnable, mais aussi du vert, là où il n'y en avait pas. Hein. Eni comme Engie m'ayant frontalement menti sur la question à l'époque, hein, d'ailleurs fais encore le test, appelle-les, tu leur demandes si tu peux avoir de l'énergie verte, ils vont dire oui bien sûr, alors que c'est totalement faux et c'est vérifiable sur internet. Eh bien c'est pour cette raison que l'année dernière, j'ai changé pour ILEC. C'était la première fois que j'opérais une vraie recherche sur la question pour faire un réel choix en phase avec mes convictions écologistes. En plus de ça, je voyais que les arnaques étaient monnaie courante, que beaucoup de fournisseurs se disaient verts alors qu'ils ne faisaient que compenser leur énergie en réalité polluante en achetant des certificats garantis d'origine. Ce que ne fait pas ILEC, qui est un des très rares à travailler exclusivement avec des producteurs d'énergie 100% verte et 100% française. Il y a même un barrage hydraulique à Salanches, là, tout près de chez moi. Bien que mon idéal est et restera une énergie propre, locale et publique surtout, eh bien j'ai dû composer avec la réalité du moment et faire le meilleur choix. Parce que oui, il y a des choix individuels, de décroissance, de consommation intelligente, etc., qui comptent vraiment en parallèle d'un combat politique collectif.
C'est dans ce cadre que je t'invite comme moi à quitter ton fournisseur d'énergie toute pourrie pour passer chez ILEC. En plus d'être rapide, hein, franchement j'ai mis 5 minutes, tu remplis un court formulaire et il s'occupe de tout à ta place, sans frais, sans coupure et sans engagement. En utilisant le code JAMILOVERT, d'une pierre deux coups, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première facture et tu soutiens activement mon travail ici, puisqu'en contrepartie de ton passage chez ILEC et de l'énergie verte et tout ce que ça comporte, eh bien je toucherai une petite commission. Franchement, il n'y a que du positif. Alors si comme moi, tu hésitais depuis un moment déjà à franchir le pas pour verdir ta consommation d'énergie chez toi et puis passer au 100% écolo et 100% français, eh ben c'est le moment tout trouvé. Et je te mets sous la vidéo le lien et le code promo qui te permettront de passer chez ILEC. Oh le con, oh, moi-même il m'a convaincu. Je vous entends encore. Vous dormez, vous faites un rêve là, vos paupières sont... Oh, puis merde, hein, j'assume, hein. Oh, petit con. Voilà, c'est tout pour moi pour ce 17e épisode des 5 choses à se dire. Je suis très très heureux de produire encore et encore ce format qui vous plaît et qui me plaît, donc c'est super cool. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup à toutes et à tous ici, toujours plus nombreux, de soutenir mon travail comme ça, de me faire confiance depuis tout ce temps. Comme d'habitude, tu retrouves tous les détails, les sources, etc. dans la description de la vidéo et on poursuit la discussion ensemble dans les commentaires en dessous de cette vidéo, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram et Facebook. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, mais aussi sur Peertube, d'activer la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la prochaine parce qu'on a encore 1000 choses à se dire. Ciao !